Bonjour à tous, c'est GLG qui avait loupé le bouton comme d'habitude, comme tous les matins, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Et aujourd'hui on va parler lunettes, on va surtout parler lunettes de soleil. Alors peut-être que comme moi vous avez eu un jour des Ray-Ban, des très jolies Ray-Ban, que vous avez payé une blinde et puis... Alors en fait si vous êtes comme moi, moi j'ai acheté des Ray-Ban déjà, et le premier je les ai perdus, le deuxième je les ai cassés, voilà. Bon, et ça malheureusement à chaque fois c'est quand même une toute petite larme qui part parce que... Déjà, tu les aimais bien, parce que c'était des Ray-Ban la classe, et puis deux, il y avait le prix qui faisait que, quand même, ça faisait un petit peu douloureux. Donc du coup, bon, j'ai décidé de moins investir dans les lunettes maintenant, et depuis que je mets, par exemple, 10 balles dans les lunettes, eh ben, je ne les casse plus, je ne les perds plus, comme quoi, c'est bien un problème de karma. Voilà, donc je me suis intéressé aux lunettes AliExpress. Bon, vous le savez, pour les vidéos, j'adore mettre des lunettes parce que ça fait super classe. Comme ça, vous voyez le reflet de l'écran et tout dessus. Et puis, comme ça, vous voyez pas que j'ai les yeux qui partent dans tous les sens et que je me concentre bien sur vous, forcément, parce que vous croyez que je ne regarde que vous, que je m'intéresse que vous et qu'à cette amazing caméra qui a des petits contours bleus qui se reflètent dans ma lunette bleue. Voilà, donc la vie en bleu, par exemple. Allez, j'ai acheté sur internet deux modèles de lunettes, le modèle King Sen que je porte actuellement et le deuxième modèle Dewberry, alors qui n'était pas à 16, je pousse, là je vois rien, il était en promo à 6,72. Putain la vache, ils y vont fort les mecs, hein. 6,72, donc attendez un peu, il y aura peut-être des promos, ou alors s'ils me répondent, on pourra peut-être vous avoir un prix. Parce que tout le monde me répond pas. Quand j'achète les produits, je leur dis voilà, on a acheté ça, on va faire des vidéos, est-ce qu'on peut avoir des codes promo pour nos malins? Alors il y en a qui nous répondent positivement, il y en a qui nous répondent que si on en vend 1000, eh ben, on aura un prix. Et puis d'autres qui s'en battent les couilles complets. J'ai bien l'impression que. Alors King 7, ils nous ont déjà répondu, ça a l'air assez positif hein, pour l'instant. Donc on parle de celles-là, 1088, qui sont. Alors dans mon titre, vous avez vu, il y a une très bonne affaire et une affaire machin. Bon là, on parle des King 7, c'est celle-là, là c'est juste là. Packaging, 10,88€. Alors t'as une jolie boîte. Alors oui, c'est une boîte de merde. En Chine, ça vaut rien. Bah ouais, bah, enfin il la donne quand même avec. Dans ce cas, l'autre il la donne pas. Même ça vaut rien. Tu sais ce que je veux dire. Voilà, donc dedans, t'as un petit porte-clés. Ah, ça n'a aucun intérêt d'avoir un porte-clés. Mais une petite lingette, c'est bien. Un truc pour bien voir que c'est des verres polarisés, d'accord. Et une petite pochette pour pouvoir mettre les lunettes. Ça évitera de les niquer dans le premier truc quand tu vas mettre dans ta sacoche. C'est pas une histoire vraie, c'est une histoire vécue. Voilà. Donc ça, c'est pour les premières lunettes. Alors, les Kingston... Attends, est-ce que je peux me remettre là, voilà. Est-ce que les Kingston, machin... Oh mon Dieu. Bon, elles sont plutôt classe. Hein. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Alors, vert polarisé. C'est quand même un peu le minimum syndical. J'ai acheté des lunettes à Decathlon, elles sont pas polarisées, tu vois ce que je veux dire. Bon, ça vaut 3€. Puis j'ai acheté des lunettes de merde sur le marché, elles sont pas polarisées du tout, là. Elles sont juste bleues et tout. Donc, la finition de l'armature, elles sont en aluminium. Alors, c'est de l'aluminium bas de gamme, hein. On sent que c'est pas l'aluminium premium, l'aérospatial, le CNC, tu vois. Mais, c'est de l'aluminium, donc du coup, elles sont plutôt... Cali, voilà, donc c'est de l'aluminium pas cher, on dira un peu du plastique, mais c'est vrai que quand on fait claquer contre ses dents, ce qu'il faut surtout pas faire, et ben tu vois bien que c'est un peu du métal ferreux aluminium, voilà. Elles sont polarisées, ça c'est pas mal, et elles sont, alors miroir anti-reflet polarisé 50mm, et il y a une qualité, alors je m'en rappelle plus ce que c'est, les lentilles sont en polycarbonate, alors je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça pète. Ça pète, je veux dire, lunettes en polycarbonate, lunettes en aluminium et polycarbonate, avec la petite pochette, ou la petite chopette, comme tu voudras, à 11€ free shipping, tu te dis quand même, là, ils se sont pas foutus de ta gueule, et la marque m'a répondu assez rapidement en disant, est-ce qu'on peut te chatter, machin et tout, ils sont assez contents du truc, en plus, c'est un peu mes lunettes préférées sur les deux, donc voilà, donc vous pouvez les choisir après en noir gris, en noir orange, elle pète en noir orange, j'aimerais bien qu'ils me laissent en foyer gratuitement, je serais prêt à faire une autre vidéo avec les verres orange. Donc là, on retrouve l'emballage et tout, c'est vraiment, voilà, la meilleure affaire du truc. Si on prend le deuxième modèle, qui maintenant est quand même un peu juste hors de prix, on va pas se mentir, les Dewberry, qui est un joueur de football, bien évidemment. Alors, les Dewberry, alors, après, moi, à combien je les ai payés? 6,72€, voilà, 6,72€, c'est quand même 10€ de moins, c'est ce que je veux dire, il y avait une promo, alors après, les promos, j'essaie de les relayer sur Skyphone, si vous ne connaissez pas, on a un site de code promo, ça s'appelle skyphone.fr, S-C-I-P-H-O-N-E.fr, comme un iPhone avec SC au début, hein, pas se compliquer.
Tous les jours, il y a des codes promo. Alors, on est en deal avec Banggood, on est en deal avec Gearbest, on est en deal avec Price Minister, enfin, nouveau Rakuten ramen japonais. Oui, c'est pas, oui, parce que ramen, le ramen, c'est japonais. Donc, Rakuten ramen, c'est une blague, mais ça prouve bien qu'ils ont été rachetés par les japonais. Et AliExpress, sur lequel on peut avoir des codes promo tous les jours ou des offres super intéressantes. Donc, on essaie de vous les lister et, bah, je vous liste un peu les lunettes parce que j'adore les lunettes et les boîtes aussi. Voilà. J'ai dû être un chat avant. Voilà, aucun rapport avec les lunettes. Et celle-là, alors, moi, j'ai pris celle-là pourquoi? Parce qu'il y a une petite lingette dedans, mais ça, on s'en fout. Alors, là, on te donne juste rien. Une petite pochette, pareil, sponsorisée au nom de la marque. Ici, voilà. Et des lunettes qui ont quand même l'avantage d'être transparentes. Voilà. C'était pour ça que je les ai pris. Bon, parce qu'elles valaient 6,72 €. Je me suis dit, à 7 euros, je prenais pas beaucoup de risques. Alors, elles sont polarisées. Alors, attends, je vais te les mettre. Ah ben, quand tu les enlèves un peu. Wow. Alors, les montures sont beaucoup plus longues. Et alors, pour la blague, attends, que je me voie un peu. Regarde, là, elles sont vachement longues. Donc, dès que tu mets une casquette, tu l'as dans l'os. Hein, je veux dire, autant les autres, elles descendent là. Autant là, la casquette, si tu la mets pas à l'horizontale, là, ça va. Si je la mets un peu comme ça, voilà, là, ça tape tout. Non, ça va. Là, ça va. Non, si j'ai une autre casquette, ou c'est bien la merde. Voilà, là, tu vois, quand je la mets en bas, ça tape contre les lunettes, c'est la merde. Après, c'est pas pour dire du mal, mais c'est la merde. C'est vraiment. Alors, on est disponible en. Alors, avec le vert. Avec le contour rouge, transparent contour rouge, je pourrais kiffer aussi. Jaune. Alors, j'en ai des jaunes pour la nuit, c'est vraiment bien. Quand tu conduis et tout, ça évite d'être ébloui, machin. Tu vois mieux. Alors, après, tu vois plus les gilets jaunes. À cause de mettre un vert jaune. Il y a pas en vert, voilà. Elles sont plutôt stylées, voilà. Donc moi j'ai pris ce modèle-là pour avoir plutôt un modèle lunettes de soleil transparent et tout. Je trouvais le contraste très intéressant. Bon bah là par contre pas de mensonge, c'est des lentilles 42 mm, c'est du plastoc avec du plastoc. Le lentille polarisée UV 400 anti-reflet. Donc on est comme sur l'autre, la lentille machin, style Google. Heureusement ils ont pas mis style Mongol. Je vois pas ce que vous venez faire la Mongolie là-dedans. Hein, je veux dire. Ils ont pas. Même si le sable, peut-être. Voilà. Donc du coup, les lunettes, bon, elles sont jolies. Après, HD, Night Vision, Storage, Impact. Alors, est-ce qu'elles sont. Parce que tu vois, par exemple, celle-là, je t'ai oublié de t'en parler, elles ont un petit ressort sur le côté. Ce qui. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que si t'es comme moi et que tu les mets un peu sur la casquette comme ça, c'est bien qu'elles soient tendues. J'en ai déjà acheté des lunettes de merde, où à force de les mettre comme ça, ça travaille sur le plastique, et au bout d'un moment, cassé en deux. Alors là, bien sûr, non, parce qu'ils disent qu'elles sont strong impact, durable, full glare barrière, et a sense of comfort, et UV 400, ouh, bah dis donc, ça, et true color, voilà. Bah avec tout ça, mon pote, et je peux dire, hein, tu peux remettre ton gilet jaune et repartir au manif. Hein. Donc voilà un peu pour ces lunettes. Bon, celles-là, elles sont bien, mais le fait qu'elles soient comme ça, droites derrière et tout, pour les casquettes, c'est chiant. C'est chiant. Et en fait, je préfère vachement les autres. Il n'y a pas à se mentir. Bon, après, à 6,90 €, oui. À 16,47 €. Alors, c'est deux styles complètement différents. Mais voilà. Après, il faudrait voir. Si la marque me répond, je vous mettrai en commentaire. Nanana, les conditions. Si on arrive à négocier des conditions d'ici là que je mette la vidéo, c'est-à-dire mercredi pour vous, je prends un peu d'avance. Hein. Je vous les mettrai dans les commentaires si on arrive à négocier quelque chose ou pas. Si on arrive à rien négocier, bah, je vous mettrai les liens et vous irez voir. Des fois, elles sont en prix bien, des fois, elles sont pas en prix bien. 16 €, non, là, il n'y a pas de condition. Il y a 4 €, tu peux voir, profitez-en. Ah, tu peux peut-être gratter 4 $. Ouais, faut que je me log et tout. Bon, tu peux peut-être gratter 4 $, faut voir. Ce coupon des nouveaux utilisateurs. D'accord. Donc, si t'es un nouvel utilisateur, tu peux gratter 4 $ sur les 16, machin. Mais bon, voilà, après, on va pas se mentir. Moi, c'est vraiment celle-là. Après, il y en a qui ont peut-être préféré le petit côté plastique. Parce que le plastique, c'est fantastique. Tout le monde le sait. Mais, moi, je suis plutôt le côté métal, aluminium et polycarbonate de potassium. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, après, là, les goûts, les couleurs, ça ne se voit pas. Voilà, donc pour toi, quel est ton modèle préféré? Est-ce que t'es plutôt King 7 ou est-ce que t'es plutôt Dewberry, le joueur de football? Non, mais bien sûr que non, c'est pas des lunettes allemandes, bien sûr.
Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'aimais cette vidéo, tu peux soutenir encore GX3R, share, commentaire, pouce en l'air. Tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire quelles sont pour toi celles que tu préfères, les King 7 ou alors les Dewberry. Voilà. Éventuellement, tu peux aller sur leur site s'il y a d'autres modèles qui te trouvent vachement plus intéressants et que tu aimerais avoir un avis. Dans ce cas, si on a un retour du fabricant, on ira leur demander. On dira, tiens, on a beaucoup de membres qui nous ont demandé si on peut avoir celle-là, machin, est-ce que tu peux nous l'envoyer? On ferait une vidéo. Par exemple, ça peut être assez intéressant. T'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, comme toujours. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en me payant un café sur Tipeee. Par exemple, si t'as envie de dire merci, tu sais pas comment faire, bah, tu peux mettre un pouce en l'air, payer un café sur Tipeee ou aller sur Utip en bas, aller regarder une vidéo. Je vous propose, moi, on met pas de vidéo sur... On met pas de pub sur les vidéos YouTube, c'est-à-dire qu'on les monétise pas, on demande pas d'argent aux fabricants, comme ça on reste indépendant et intransigeant. Par contre, si tu veux soutenir l'aventure, tu vas en bas, tu regardes une petite pub 30 secondes, moi ça me rapporte un petit peu, il y a marqué, ça a rapporté 0,1, tu peux en regarder 3 par jour, 3 par navigateur, mais sur ton téléphone, machin et tout, et voilà, et ça permet bah, d'avoir un peu de budget pour dire, allez, on achète des lunettes, pour se faire plaisir, on a acheté des téléphones, on achète des trucs, tu vois, des trucs qu'on se fait offrir, des trucs qu'on achète, mais au moins on est indépendant et tu as un avis vraiment... intransigeant. Ça fait deux fois que tu le dis, mais maintenant, ça commence à rentrer. On le refait ? Indépendant, intransigeant, et on va leur bouffer les dents. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous ce soir à 15h pour la quotidienne, comme toujours. Sinon, on se retrouve demain pour un prochain produit. J'ai un milliard de trucs, donc un par jour. Et moi, je serai toi, je m'abonnerai. Le JT Geek, c'est GLG Review et GLG Vidéo. C'est 50 vidéos par mois. Donc abonne-toi aux deux chaînes et sur les 50 vidéos par mois, il y en a bien une qui va tomber dans tes notifications et qui va t'intéresser. Ça t'intéresse, tu regardes, ça t'intéresse pas, tu ne regardes pas, mais au moins t'es abonné, t'es sûr de rien louper. Paix et prospérité, à ce soir, sinon à demain. C'était GLG, ton dealer d'accro. Allez, à demain. Bye bye.